Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un vlog en tant que maquilleuse pour maquillage. Oh mais ça fait deux fois que je fais l'erreur. Pour Miss Châtillon Pays de Dombes 2021. Donc il faut savoir déjà que j'étais maquilleuse l'année dernière, mais c'était pas... Enfin moi j'étais juste là pour maquiller ma copine du coup. Mais là, je vais vraiment en tant que maquilleuse officielle de là-bas. Donc, du coup, je suis grave contente. Donc, dans le programme pour ce vlog, je vais vous montrer. Du coup, là, je vais à Carrefour après vite fait. Donc, je vais un peu vous montrer, mais alors très vite fait. Ensuite, je vais faire ma valise. Ensuite, je vais vous montrer comment je me coiffe et je me maquille vite fait, encore une fois, parce que c'est pas le truc le plus intéressant du vlog. Comment je m'habille pour maquiller parce que j'ai envie d'être chill. Honnêtement, je vais transpirer, je vais sûrement me salir encore une fois parce que hier j'ai fait des essais maquillage que vous allez voir sur mon compte Instagram Makeup, hop, juste là encore une fois. Fin juin, voilà, début juillet. Désolée, j'ai mal au bras. Et voilà. Et puis après, on va partir du coup pour l'élection, enfin du moins pour tous les backstage et tout, donc c'est là où ça va être beaucoup plus intéressant. De toute façon, là je pense pour ce vlog là, je vais vous mettre les heures, je pense que ça peut être cool. Comme ça vous voyez un peu, vu que c'est une journée, vous voyez un peu bah, quand j'arrive, voilà, etc. L'heure du show, quand ça se finit, etc. Machin, machin. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire pour me soutenir. Et voilà, et c'est parti. Non mais s'il vous plaît. Nini, en fait là, vous voyez, je suis en train de préparer mes affaires, etc. Donc là, j'ai mis mes pinceaux en backup. Là-dedans, c'est mes pinceaux que je vais mettre autour de ma taille. Là-dedans, c'est d'autres pinceaux encore parce que du coup, bah, il n'y a pas assez de place. Mais regardez-le. Bref, là c'est mes éponges, là c'est mes soins avant la peau, enfin avant le maquillage. Et là-bas, il y a fond de teint, poudre, contouring, machin, machin. Donc là, en gros, c'est pour le teint liquide, pour les poudres. Là, c'est pour les yeux et là, c'est pour les lèvres. Donc voilà. Et là, bon, il n'y a rien du tout. Et aussi, pensez aux lingettes parce que, voilà, je vais en avoir plein les mains. Donc j'ai toujours ces lingettes-là. Mais regardez-le. Qu'est-ce que tu fais, Nini? Nino. Alors du coup, je vais vous montrer les palettes que je vais prendre. Donc je vais prendre la My Revival de chez Richard, enfin de Richard. La Sleek, celle de The Doll Beauty, la petite Nude. Parce que en fait, j'aime bien cette palette parce que, vous voyez, c'est tout mat. Franchement, j'adore. Madame Charles, parce que je la kiffe. La petite, comme ça, où d'ailleurs j'avais fait un unboxing, je l'avais unboxé. Voilà, je l'aime bien, mais honnêtement, depuis la dernière vidéo make-up que j'ai faite, je vous la mets juste ici, je ne l'ai pas du tout réutilisée. Également, c'est pareil pour celle-ci, j'avais fait un make-up, il me semble, sur ma chaîne, et je ne l'ai pas du tout réutilisée. Donc là, je me dis, c'est cool parce que c'est que des teintes roses, et enfin, des teintes roses, du coup, elle va bien me servir. Et j'ai pris ma grande Fiery parce qu'elle est trop belle, etc. Il y a mon chat, regardez. Bon, du coup, j'ai oublié de vous filmer quand j'étais à Carrefour, mais honnêtement, je suis allée hyper rapidement. Donc, j'ai acheté mon shampoing. C'est celui que je vous parle, du coup, dans ma vidéo routine cheveux. Je regarde qu'il n'y a personne derrière parce que je filme. C'est celui-là. Inecto, il est trop trop bien, vraiment trop bien. Et vu que j'ai les cheveux gras, et bah du coup je vais me laver demain. Et du coup j'ai acheté encore des produits, donc je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Du coup là je vais rentrer chez moi. Je vais me coiffer, me maquiller et faire ma valise. Et puis go partir. A tout un bisou. Bon, du coup je suis vraiment désolée, j'ai oublié de vous filmer. Ça fait un changement brutal, hein. Oui je sais. Du coup, j'ai complètement oublié de vous montrer comment je me suis maquillée. Mais au pire, je vous ferai une vidéo tuto make-up de ce make-up-là. Et je vous ferai un tuto coiffure de cette coiffure-là. Vous tombez. Oh, purée de pommes de terre. Là, c'est bon, oui. Donc bref, voilà, je vous prends juste 3 secondes pour vous dire que je vais vous faire une vidéo complète
du look make-up plus coiffure, vous inquiétez pas. Là je fais les dernières petites retouches de ma queue de cheval parce que je vois qu'il y a des mèches qui sont pas lisses et ça m'énerve. Surtout pour une queue de cheval lisse, clairement s'il y a une mèche qui boucle c'est la merde. Voilà, bah écoutez, là il est 9h25, un truc comme ça. Je vais mettre toutes mes affaires dans ma valise. Et puis c'est parti! Je vous retrouve du coup, enfin je vous montre le chemin, puis je vous retrouve moi là-bas. Allez, bisous! Bon, je vais vous montrer mon outfit. Donc j'ai pris un t-shirt large, un t-shirt robe, mais qui a rétréci, c'est un grand t-shirt quoi au final. Un jogging, tac. Et mes Converse. Voilà, et du coup, Nino! Mon daddy, il est là. Donc là du coup on est en pause, voilà, j'ai retrouvé du coup une copine que j'ai fait rentrer du coup dans le truc. Mon teint est horrible, hein. J'ai transpiré mais on s'en fout. Voilà, du coup on mange dehors tranquille et puis c'est reparti pour une session maquillage. En juillet prochain, est élue première dauphine de Michel au Pays de Nantes 2021. Elle portait le numéro 13 et c'est Elsa Grasset. Bonjour à tous, on se retrouve en Israël du premier dauphine de toute sélection au Pays de Nantes 2021. Sélectionnée également pour l'élection de Miss Pays de Nantes en direct de Genève en juillet prochain. Avec le jury ce soir. Et c'est donc notre marraine, notre présidente du jury qui va l'annoncer, aux côtés de notre délégué d'organisation Miss France pour la région Rhône-Alpes. La couronne sera remise par Anaïs Roux, l'écharpe par Manon qui ce soir cède sa place. Mesdames et messieurs, le suspect est à son comble, est élu Miss Châtillon, Pays de Don 2021. Le numéro 2 et c'est top. Je vous remercie de l'équipe de Miss France.
Lately I was feeling like I need a